Falguer là, mesdames et messieurs, soldat 400 Maozo ou bien base 400 Maozo, qui gagne en tête l'an mois sans jour, fait mettre États-Unis, qui fait mettre Joe Biden, qui fait mettre, eh bien, tout le temps, eh bien, 52 États dans le pays, les États-Unis, à genoux, après au fin kidnappé 17 missionnaires à eux, qui, eh bien, gagne un Canadien là-dedans, sinon ça nous gagne comme information. Eh bien, Américain t'a déjà déployé. Eh bien, yon troupes FBI là, avec des gros hélicoptères déjà apparaissés sous tête, eh bien, base 400 Maozo, pour comment yon t'a joindre libération 17 missionnaires à yon. Eh bien, c'est là ça nous gagne comme information, barre la semble pas douce, malheureusement. Et pour les États-Unis, l'homme sans jour cémenté, eh bien, pas gagne un monde cap sorti dans même tout autant qu'il paraît, c'est voir 17 millions dollars américains ça. Et gagne un chef base 400 Maozo qui c'est Yon Yon, qui monsieur non prison, malgré le non prison, eh bien, c'est monsieur cap négocier quantité somme l'argent ça que base 400 Maozo t'a gagne pour le recevoir. Si toutefois, États-Unis t'a décidé pour, eh bien, coopérer, t'a décidé pour, et donc, et donc, je viens avec 400 Maozo pour négocier et Américains cémenter par un bagage comme ça. Question à cémenter, question à négocier avec Bandia, Américains cémenter bagage ça, pas pour eux. Eh bien, Joe Biden l'a déjà à penser sur question ça. Est-ce que l'armée américaine t'a déployé sous terre ou bien t'a voué une quantité de soldats encore? Nous ne pouvons pas connaître en tout cas. Mesdames et messieurs, nous allons inviter tout le détail. Nous allons tourner dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous avec le canal pour ceux qui sont nouveaux. Abonnez, partagez, quittez un commentaire. Nous rejoignons dans une nouvelle vidéo. Haïti et sécurité, dossier kidnapping des 17 mercenaires américains et missionnaires canadiens. Mercenaires, papa. Des 17 missionnaires américains. Pas mercenaires, papa. Mercenaires, t'es venu tous les jours d'El Moïse. C'est missionnaire américain. Même les crimes, non, t'es planifié qu'américain. Des 17 missionnaires américains et canadiens, les négociations prendront le temps qu'il faudra. Selon le FBI, l'homme sans jour, chef du gang des 400 Maozo, sous les projecteurs de la presse internationale, à quoi peut-on s'attendre? Le ministre de l'Intérieur, M. Litzkitel, suivant une interview qu'il a accordée à Wall Street Journal, M. fait connaître que Mounio très bien, il est en forme. Ok? Monsieur yo, dans négociation avec FBI, avec DCPJ. Mais ce n'est pas FBI qui a mené le dossier. Il faut rappeler ça. C'est DCPJ par le biais de cellules contre-enlèvement qui toujours mené le dossier ça. Cellules contre-enlèvement, c'est lui-même avec d'autres experts dans le pays. Okay, qui très à cheval sur le dossier ça. Eh bien. CCE, la cellule contre-enlèvement, qui toujours a des résultats. En pile fois, moun yo remet l'argent. C'est parce que yo pas yo konn une peur tout, moun yo konn peur. Pour patrouiller et pour ravisseur patrouiller moun yo. Mais ça qui est là, lou ko désir information. Information de dernière heure à l'émission Matin Débat. Chef 400 Maozo al relé Yon Yon. Yon Yon qui dans prison. Qui dans prison. Madame monsieur, attention. Suivez Matin Débat, on en est. Yon Yon était en prison en 2020. Il a été kidnappé monsieur français et consort. Il a été kidnappé. Est-ce que vous rappelez le kidnapping qui était fait? 400 Maozo était kidnappé. Oui, français. Laisse ça. DCPJ t'es en contact direct avec et t'as mené question hein? Très bien. Mais t'as une pression sur le palais national et dans le moment sur kidnapping français laisse ça puisque c'est Yon Yon qui est chef gang le mot sans jour est numéro 2 gang dans le lieu mais je dis à l'évin numéro 1 je dis à l'évin numéro 1 parce que Yon Yon en prison très bien. Ça n'est pas ma soirée. Yon Yon condamné à perpétuité. Maintenant, il y a là, négociation. Pas quoi, il n'y a qu'à passer. Dans la question 400 Maozo, Yon Yon pas au courant. Ouais. Même s'il est en prison. Même s'il est en prison. Ouais, bien.
Depuis là, j'en bail, yo voye bal bali. En de prison. En de prison. Donc, monsieur Yoyo, dans le moment où on a parlé là, c'est un personnage très important pour cette enquête. L'enquête sur les 17 missionnaires. Missionnaires. Et c'est Yoyo qui fait pour 17 millions de dollars. Ça, j'aime là. Yoyo qui fait pour 17 millions de dollars. Claire. Yoyo qui n'a pris son actuellement là. Yoyo, c'est lui-même qui a mené des balles. Et Yoyo n'a pris son. Oui, un téléphone. Parce que lui fâché, il était où là dans la farine, le désir. Première fois, il a dit comme ça que. Il a fait échange. Là, non, 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 la libération française. Tu as une information qui est fuitée. Oui, oui, oui. Il était déplacé, déplacer le même, mais il a déplacé le CV de la campagne. Très bien. Oui, très bien. Monsieur Yoyo, campé mine au moment où on a parlé là. Donc actuellement là, Yoyo qui est en prison, campé mine. Il a mis en négociation pour libérer 17 missionnaires, voilà, c'est, monsieur. C'est le cas. Que 400 maos ont kidnappé. Il dit, si Marie pape monte, si Marie pape descend. 17 millions. Red, 17 millions. Clair. Et de fait, monsieur Lamos en joue, campé mine. Madame, monsieur. Et il y a des menaces. Ok. De mort. Madame, monsieur. Sous. Quelqu'un, monsieur. Madame, monsieur. Information de dernière heure. La possibilité pour taguer une intervention militaire à partir de ce kidnapping, le kidnapping des 17 missionnaires américains et canadiens, pour taguer une intervention militaire, un débarquement des troupes militaires américaines en Haïti, la possibilité est donc sur la table. La possibilité est sur la table. Est sur la table, madame, monsieur. Est-ce qu'on comprend? Écoutez, c'est nous-mêmes qui avons joué à PIA. J'aime bien dire nous avons joué à PIA. Ou alors, moi, sans jour. Et. Nous sommes essayés, le mort sans jour, là, je dis, je vais parler. Parce que maintenant, le mort sans jour parle. On bouge ça parce que. Gon pays, je dis, là, on est d'accord, c'est next, c'est au chef PIA. On a qui gâché dans le côté non rage. Pour la faire américain marcher, FBI marcher. Et puis, l'obtenir 17 millions de dollars dans les américains. Mais si on est Gounbala avec lui comme haïtien. Comprenez bien. Hein? Et bien, au moment où on a parlé à la gueule, l'hélicoptère qui a suivi les zones côté, monsieur Katsama Ozo, il y a un quoi de bouquet. Et bien, monsieur Katsama Ozo, il va pas dire non. Le mensonge joue comme mine. Monsieur clair sur question par la FBI, CIA, c'est la jeune Lapton. 17 millions. 17 millions de dollars Lapton, ni c'est lui, c'est comme ça Lapton là. Et yon dit, monsieur Kaperet. Et c'est là que le FBI, madame, monsieur, comprenez bien. Public FBI, sous dossier, assassinat, président, Jovenel Moïse. Aïe, aïe, aïe. Et jusqu'à présent, ouais, donc le résultat de des enquêtes menées par le FBI sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais maintenant, on est à. Le mensonge ou kidnappé 17 missionnaires américains et FBI qui est en débarqué dans le pays, il y a sous dossier kidnapping. Nous allons regarder pour nous. Comme assassinat, il y a une enquête tout. Comme assassinat, président Jovenel Moïse avait fait déjà depuis 3 mois. Nous allons regarder si. Non, résultat. Ça a fini avant. Regarde ça a fini avant. Souvent, si on a une enquête, président Jovenel Moïse. Mais c'est une priorité, je sais. Priorité. Est-ce que nous sommes écoutés, nous bon, balade commencé déjà. Non, et déjà, ça que, a fini. FBI a... Ouais, résultat, enquête ça, l'a fini. L'a bail. Et pas sur le pas bien fini. La... Bon. Songez ça, madame, monsieur. FBI sous dossier enquête. Est-ce que Jovenel Moïse, c'est moi américain lié? Assassinat président Jovenel Moïse là, ça fait 3 mois. Jusqu'à présent, aucun résultat. Et même FBI ça a débarqué pressé dans le pays hier, avant hier, ok, pour fin. Négocier avec base 400 Marozo pour libération 17 mercenaires américains et canadiens que 400 Marozo kidnappé. Et je dis à la, toute la presse internationale mettez projecteur sous l'amour sans jour qui est chef 400 Marozo. Bon réserviste au niveau de l'armée américaine et qui gardait l'anonymat. L'anonymat. Mm-hmm. Attention. Attention, ouais. Et qui voulait garder l'anonymat. Oh. L'anonymat. Et qui t'avait place son mot. Ok. Et parce que le dernier, une information de dernière heure que vous partagez avec nous. Très bien. Sous question, le déploiement des armées américaines en Haïti. Information. Qui information gagnée sous question, possibilité pour d'avoir un déploiement des forces américaines en Haïti suite à kidnapping
qui fait par la base de 400 Maozo qui kidnappait 17 missionnaires américains et canadiens. Comment nous sommes bienvenus à l'émission Matin Débat? Allô? Oui, comment nous sommes bienvenus à l'émission Matin Débat? Qui information en plus qu'on gagne sous question possibilité pour ta gagner un déploiement militaire? Oui, allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Salut, monsieur, salut, nous, à salut, tout Haïti. Et que les maisons blanches, pas tellement, il faut pas qu'ils comme si vous voulez faire secret, il n'y a pas comme si vous voulez, tout le monde connaît ça. Et que concernant l'intervention militaire, mais il y a fait l'intervention militaire. Le prochainement la main, et que d'après sa congression, on a dit qu'il n'y a pas aucun argent, aucun corps, même. Donc, monsieur dit, on a eu un bombardement, mais et que la vie 17, si on a un bombardement, et que la vie 17, mon yo qui t'a payé a un jeu. Donc, États-Unis va prendre l'argent? Donc, il va le balage, mais il va le balage. Je dis pas qu'il y a un mounio et que sans l'argent, et puis le fil tout, et que il faut qu'il y ait comme si il n'y a pas appelé, comme si pour rien est arrivé, mon yo tout. Ça veut qu'il n'y a pas juste en bailli déjà. Très bien. Très bien. Et que les gangs, il y a un chef 400 aujourd'hui, dit que c'est moi des 8 balles, et il n'y a pas de bail l'argent. Ah, mais il faut qu'il y ait 7 millions de là-bas. Ouais, sans où était Oyota? Oui, sans où était, mais que question de pression, il y avait une balle, il y a sa pièce. Donc, là, administration, président Biden, dans mon chef de la donc j'ai entendu, et que tête n'a pas de famille, 17 missionnaires, et m'a dit, donc, dans les jours à venir, et nous parlons de cette année qui fait le 4 là. Je pense que c'est le moment pour qu'ils soient des kidnappés dans tout le pays. Parce que le match là est petit. Donc je pense que c'est très réactif. Ok? C'est très réactif. Et que dans les heures à venir, ou dans les jours à venir, je pense que c'est ce qui va le faire. Très bien. Merci à vous. Voilà, ok. En tout cas, si nous comprenons, en fait. Alors, si nous comprenons. Comprenez bien, madame, monsieur. Vous avez dit, les mensonges pour une résidence. On tout bon cas capitaine. Alors, on résidence de capitaine là dans prison aux États-Unis. Qui mange ça, monsieur? Pas monsieur. Qui va évoluer ça, non? Le mensonge, madame, ça. Voilà, quel est le? L'ambassade. Écoutez. Madame, monsieur, bon, me rappeler, bon, reprendre ça, non? Sauf parler avec auditeur à viser ça de l'émission Matin Débat. Et c'est ça l'information. États-Unis, clé sous question, yon pas ban dollar. Yon good. Alors, États-Unis. Attendez, oui. Nous avons information. Oui. États-Unis dit que yon pas ban, yon décide pas ban dollar en good. Et pas négociation. Le gouvernement. Mais chaque monde a une famille. Attendez, mon frère. Ou qu'on va manger banane, non? Allez, mon frère. Non, mais mission, la mène des bas, non? Ok. Au départ, c'est mission. Le mensonge joue comme une mine. Le mensonge joue classe sous question, pas gain, on y a ta cap manqué comme ça. 17 millions de dollars clés. Sous tête d'adal. Question, mon avis, ma impression, c'est pas yo. En impression? Ah. Donc, on regarde pour nous, on a croisé de tout pour nous, ça va passer pratiquement dans 4 dossiers dans le pays. Mais comme on dit, nous avons une possibilité pour gagner un débarquement de troupes militaires américaines sous question ça. Eh bien, information c'est que, côté M. 400 Maozo, qui a kidnappé missionnaire, il a déplacé la maison de l'autre côté. Et à ce qu'il paraît, FBI et DCPJ qui est connaît, donc qui va Mountaoui. Et dans ce moment-là, le mensonge joue quand même. DCPJ, alors FBI pour aucune information. Mounio déjà déplacé, donc on a parlé là. Déjà, il est déplacé. Il a déplacé à Mounio. Déjà encore. Non, espace secret. Secret. Okay. Il y a été déplacé encore. Mounio déplacé. Encore. Redéplacé. Et ceci dit, FBI a toute cellule contre enlèvement, la DCPJ, pas qu'une information ça. Et l'armée américaine, si on a pour intervenir, il y a intervenu après la libération, ou bien après
assassinat. Parce que après il faut dire la possibilité. Il y a une possibilité pour assassiner une. Oui, non, non, le mensonge joue Kambemine. Il y a un Kambemine. Le mensonge joue Kambemine. Et yo Kambemine tellement mine, il dit négo, t'es où l'aile dans farine. Yo oui. Yo tellement Kambemine, il dit négo, t'es où l'aile dans farine. Dans la libération française. Dans la libération française. Ok. Et bien, fois ça lui-même. Pas dans la dot ça. Pas qui sa pièce. Bay dollar. Dollar sous dollar. Dollar sous dollar. 10 dollars. 17 millions de dollars. Se manque yon dollar. Non, moi, on va parler là. Yo, c'est cobli la tonne. Se manque yon dollar. Yo, de lui-même, il finit vivre. Yo, condamné la perpétuité. Yo, fait 10 dollars. Je passe. L'argent la tonne dans la prison. C'est clair. Alors, monsieur. Les campémines. Regardez-vous dans ce qui passe dans le pays. Après tout, les campagnes ici. Et ça fait famille, faut-il donner. Ça fait famille, faut-il donner. Après tout, les campagnes ici, on allait. Allô? Oui, Fontini. Oui. Allô, Louko? Oui, comment nous allons dire avec moi, non? Ok, bonsoir. Pas d'un matin débat. Et alors, ça me dit que je ne côté Esaïe des jeunes d'énergie, ça a commencé matin, hein, mais monsieur, c'est quoi le pays, Louko? Oui, donc, en tout cas, conviction pour changement, ça a son bagage qui a marché dans celui-là. C'est lui l'autre, la matin. C'est lui-là, oui. Celui du Nord, l'autre, même l'école va gagner aucune activité va marcher loco. Ça passe. Oui, allô? Oui, ça fait celui du Nord, l'autre matin, ça fait ça. Celui du Nord, l'autre, c'est dans la même logique. Donc, grève négociée lancée, ils disent qu'ils ne pas capables, qu'on pays est invivable. Donc, ils ont même tout fait partie, ils vivent dans le pays. Mon cher Jean-Baël Abiel, là, son pays, tout le monde l'a gagné pour quoi? Grand gagné. Tout partout, pays a gangsterisé, gens que nous toujours dit là. Donc, nous avons en pleine vérité à la Konya, en pleine vérité, donc, il n'y a pas de choix. Donc, c'est marché. Nous conformons toujours, Saint-Louis du Nord, je le connais depuis quelques mois, un groupe gang. Donc, qui kembe mounio en otage, mounio d'Akoui, trois sections dans la commune Saint-Louis du Nord, déjà presque pas de monde, ok, deux qui ont résisté, quelques de monde, mais. Bon, dans cette section-là. Fou, et même ça, les affaires familles, bah, sous l'aide. Next Channel, ma petite comme toute Next Channel. Mais quand on a ces affaires familles, les gars, sont même ça, les juniors soldats qui, c'est domaine capitaine de matin débat. Et Louko, et j'en ai de la main bon débat. N'est-ce que tu as dans le pays, n'est-ce que vous faire ça, vous pouvez faire. T'as bien, mes amis, bien rapide. Yes. Ok. Il dit, il y a qui t'a avec 17 missionnaires américains. Pourquoi j'en prends mon ancienne qui vient crier? Les papas, les petits, si mon américain, côté qui grand-papa sensible pour eux, pourquoi j'en prends mon qui vient crier dans la télévision qui dit, il y a qui t'a mis sur Haïti? Ça, c'est la première bagaille. Deuxième bagaille, d'après éthique américain, en tant que soldat américain, moi-même qui fais tout qui est ça, d'après éthique américain, si c'est vrai, c'est n'est pas exploité dans le pays, en mars, je sais pas le faire. L'homme mensonge tout fini parce que il n'y a pas de négocier avec eux. D'après, si on vient négocier avec eux, le Congrès n'est pas rentré là-dedans. D'après, éthique américaine n'est pas négocié avec Brandy, ni kidnappé. Donc, 17 millions de dollars, je suis parlé à ces bagages dans le milieu. C'est ou bien engagé, ils ont fait quoi pour venir dans le pays, tout vu faire occupation, pour le faire. Ou bien qu'ils vont au groupe Rinaldé, ils ont quitté le monde vraiment. Ça fait nous, ça fait passer. Pas de négociation qu'on a fait. Pas de 17 millions de dollars, pas de chance de faire oublier. Parce que d'après éthique américain, d'après éthique soldat qui nous connaît, d'après code militaire, qui est bagaille de négociation en bande. Elle n'a pas fait ni en cachette, elle n'a pas fait ni sous en bataille. On comprend ça parce que bagaille la gueule de la vie. Et le congrès, il va demander côté Mounio, comment on fait la guerre. Eh bien, merci un peu. C'est soit qu'on dit, soit qu'on dit à l'école, c'est négocier, négocier, j'en ai dans le pays. Débat n'a fait là, donc sous table matin débat. Est-ce que nous sommes, monsieur, Léo te kidnappé à Montina, le téléphone de joueur. Est-ce que nous sommes, Léo te kidnappé Dominicain, ça ne dit ici, hein? Ah oui. Depuis, ou négocier, ou bayo cob, eh bien, ça, c'est vannant tout ouvert. Il y a mal cherché étranger. Tout ouvert, correct. Mais c'est ça. On nous suit ce qui a passé là, madame, monsieur. Tenez bien, madame, monsieur. On nous fait un petit rappel pour vous.
dans vague kidnapping qu'a fait dans pays là. Base 400 Maroso. Yo clairement confirmé que yo kidnappé toute qualité moun. Et yo même yo spécialisé dans kidnapping collectif. Et yo même yo spécialisé dans faire des kidnapping collectif. Et yo spécialisé dans faire des kidnapping étrangers tant qu'ou haïtien. Dès les kidnapping 400 Maroso fait là, yo kidnappé 17 missionnaires américains et canadiens. Parmi yo gen ti moun là-dedans. Parmi là-dedans yo gen ti moun. Yo mandé 17 millions de dollars à raison de 1 million de dollars par tête pour yo capable libérer 17 missionnaires. Deux jours après kidnapping, administration Biden-Harris là touché de question, département d'État dépêché en urgence. Yon équipe du FBI en Haïti actuellement qui sur le terrain. Cap travail de concert avec DCPJ. Avec DCPJ. Parle bien de CCE qui c'est cellule contre l'enlèvement. La presse internationale, en parlant de CNN, Washington Post, Fox, Al Jazeera, Fox News, TV5, France 24, mettez projecteur sous l'amour sans jour, sous kidnapping ça, madame, monsieur, pratiquement dans le pays. Débat matin, hein, à partir de l'information que nous gagnons, nous disons que la possibilité là pour un déploiement de troupes militaires américaines. Après dénouement. Après situation. Dénouement soit situation. Soit malheureux. Ou bien heureuse. Ou bien heureux. Ok. Parce que dans le cas du kidnapping qui fait, c'est soit d'aller ça sous table là, d'ailleurs, on t'a passé instruction à l'envoi son jour pour tout yé dans mon yo. Très bien. Comment bien, madame, monsieur? C'est information que moi m'a parlé là. Information, ok? Information. Si y a prédit, y a compris pour y a menacé yo, yon yon comme chef baza. Qui n'a prison? Yon yon, c'est le chef baza. Comment bien, madame, monsieur? Condamné la perpétuité. Qui n'a prison? Il condamne la perpétuité. Il condamne la perpétuité. Et y a négocié avec lui en prison parce que c'est le même chef. Connexion avec Negio. Ouais. De fait, monsieur dit Negio. Kembe. Et c'est monsieur qui a fait au Kembe là. Donc 17 millions de dollars sans manquer yota. Sans manquer yota. Sans manquer adoqué. Yo mandé pour toucher 17 millions de dollars. Le mot 100 jours. Le mot 100 jours dit que lui-même pas dans bagage comme ça. Yes. Nous sommes serrés les larmes. Je dis pas parler parce que le bon dans situation pour parler. 17 millions de dollars américains clairs. Sans manquer en dollars. Et maintenant, chaque les américains, yo dit que le pas en dollars. Yo a fait tout ça pour libérer américain yo otage yo, OK, ça on pas ba yon dollar madame monsieur. Il faut dire bon député, bon député. Ça tout fait les américains, okay. La police américaine pas dans ba yon ça dit. Yo pas comme ça. Les députés américains. Exact fait. Ba regarder pour nous. OK. Exact fait. C'est la police du monde pas doué négocier. OK. Pas doué négocier. Est-ce que nous ça là? Et ça ici ça. Est-ce que nous est là pas oublier. J'ai le monde qui a regarder États-Unis là parce que pas oublier. En novembre, on a pas gagné l'élection mi-mandat. Oui. Ah, administration Biden n'a de faire preuve là. Donc, où gagne Républicain et démocrate qui a gommé sous question kidnapping ça là, madame, monsieur, en Haïti. Et ça fait, on va rendre côté mon dot kidnapping ça sorti. On va rendre côté mon dot kidnapping ça sorti. Merci, Esaïe César. Ici, Martin Deba. Comprenez bien, madame, monsieur. C'est de, on a parlé d'un gros chiffre là, 17 millions de dollars. Gros bataille là en Haïti, depuis sous question shoot là, foot là avec madame Simpson. Ouais. Gros bataille en Haïti entre démocrates et républicains. Parce que en novembre là, il y a une élection mi-mandat. Ouais. Si Joe Biden échoue dans la question kidnapping ça, si tu as gagné aujourd'hui, Américain qui mourit dans le kidnapping ça, mais tout Américain sont à mourir, bah, bon, il va être très difficile pour le Parti démocrate. Claire. Dans l'élection mi-mandat, madame, monsieur, qu'après le fait en novembre, là, mais ça gagne là sur Haïti. Et ça fait me dire que nous suivre bien débat, ça qu'a fait matin dans l'émission matin, débat sur question kidnapping 400 Maroso fait là. Et monsieur 400 Maroso campé mine, yo dit que yo pas reti, il pas prendre un dollar. Non, 17 millions de dollars clair sans wété. Sans mettre. Information, c'est que chaque fois yo fin parler dans négociation avec les agents
de la CEE, CCE, cellule contre l'enlèvement, je jette le téléphone là. Je jette le SIM là. Chaque fois, on fait une parler. Ah, bah ça n'est pas pour contrôler. Ok? Oh. Chaque fois, on fait une parler. Ah, vous connaissez. Voilà, ciao. Tenez, n'est qu'on fond pile, mon frère. Information. Information. La base de 400 Maozo sont financées par le service secret des Dominicains. Sois-tu là? Pour déstabiliser le pays. Et c'est eux qui baillent en pile d'âme. Le service secret dominicain fournit 400 Maozo en pile d'âme. Grand pile dans les amis qui sont là, et pas les États-Unis qui sont sortis. C'est pas si quoi, c'est que là? Ou bien, alors, ils ont passé. Alors, ils ont passé sous frontière là. Mm-hmm. Une question. La frontière dominicaine haïtienne, ok? 400 Maozo, c'est eux qui contrôlent. Qui ça te la donne? Parce que nous avons outre le lagé, il déblayé. Oui. Est-ce que il a lagé chauffeur? Et camion ça que chauffeur t'a conduit et qui ça te la donne? Très bien. Pas qu'on qui au ticket de bonne. En tout cas, avant nous pour mettre l'élection, on allait donc avec